monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette. Cette semaine, on se retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale. On va vous apprendre à préparer votre tissu. Il faut préparer son tissu, sinon il y a des trucs qui clochent à la fin et c'est pas cool. Donc dans cette vidéo, on vous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça roule comme sur des roulettes. Étape numéro 1. On vient laver son tissu en machine. On vient laver notre tissu avant parce que la plupart des tissus déjà ils rétrécissent au premier lavage. Si tu couds ton vêtement dans un tissu que t'as pas lavé et que tu le laves après l'avoir cousu, ben t'auras un problème de taille. Et ensuite, la plupart des tissus ils sont pleins de produits chimiques, on appelle ça des apprêts, qui leur donnent une texture en tombé qui n'est pas naturelle. D'ailleurs, il y a plein de tissus qui ont une espèce de toucher un peu rigide, un peu carton comme ça. Et en les lavant la première fois, on va retirer tous ces produits chimiques du tissu pour avoir un beau tissu vierge. Like a virgin, woo! Washed for the very first time. Alors bien sûr, pour le lavage, on respecte les préconisations de lavage de chaque tissu. Si jamais vous lavez une soie ou quelque chose de très fragile, n'allez pas le laver à 60, hein? Étape 2. La deuxième étape, c'est pas vraiment une étape, c'est plutôt une suite logique. On vient faire sécher notre tissu. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a à savoir pour faire sécher son tissu? Et ben il n'y a pas grand chose à savoir en fait, sauf si vous utilisez un tissu qui a tendance à se déformer comme de la laine ou des tissus fragiles, il faut les faire sécher à plat pour pas qu'ils se déforment, sinon tout le reste vous pouvez le faire sécher sur un fil à linge. Étape numéro 3. Et la dernière étape, c'est le repassage. En fait, on va venir défroisser notre tissu qui s'est complètement froissé à cause du lavage et du séchage. Mais en plus de ça, le repassage, ça va venir détendre les fibres et donc donner l'aspect réel à notre tissu. Et en plus, ça enlève les plis et du coup, ça le prépare à la prochaine étape qui sera la découpe du tissu. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, on espère que cette vidéo un petit peu plus visuelle vous aura plu, c'est un petit peu différent. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Et si vous avez envie de voir d'autres types de vidéos dans ce style-là, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Si vous voulez voir ou revoir notre superbe customisation de bonnet avec un bracelet cassé, cliquez ici s'il vous plaît. En plus, c'est Léa qui fait la voix. Venez papoter avec nous sur Instagram et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et Léa et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Bye, bye. Ha 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 ha!